Sadio Diallo, une nouvelle défaite contre le Sénégal. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous hier? D'abord bonjour à tout le monde, et puis vu la défaite qu'on a fait hier, c'est pas possible qu'on fasse une défaite contre une équipe sénégalaise, mais vu que c'est la meilleure équipe en Afrique en ce moment, c'est pas facile pour nous, et puis on doit s'améliorer. On a fait des erreurs, et puis c'est pas bien, il faut qu'on s'améliore. Y a-t-il un complexe d'infériorité de votre part? Comme, parce que le Sénégal, vous vous dites que le Sénégal c'est une grande équipe et puis voilà, on va faire profil bas. J'avais dans la tête qu'on allait gagner parce que le coach nous a dit de faire la revanche, tout ça. Et puis on avait dans la tête qu'on va gagner. Et puis au bout de 30 minutes, on a pris 3-0. Ça a cassé le moral de tout le monde. Tout le monde n'a pas fait son match. Mais on a essayé de revenir en deuxième mi-temps. Surtout la première mi-temps, les dernières 15 minutes, on a commencé à faire le mieux. Et finalement, le Sénégal est devenu votre patron. Ouais, le Sénégal, c'est tout le temps ça, on dit ça, mais un jour ça va s'arrêter. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bientôt, peut-être même en Coupe d'Afrique, quand on va se rencontrer, peut-être en finale. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous devez corriger au sein de cette équipe? Parce que je sens que vous avez des problèmes au niveau de la défense, au milieu de terrain aussi, ça ne va pas tellement bien, et offensivement aussi, On il y a doit des... changer tout, on doit se mobiliser, arrêter de faire des erreurs, diminuer les... On n'arrête pas de faire des erreurs, mais diminuer les erreurs, et puis ça va venir tout seul après. Il y a un problème de transmission à mon avis. Ouais, un petit peu, mais tout ça, c'est le coach qui doit réviser ses erreurs. Après, nous, on va s'adapter. Mais vous êtes sur le terrain, vous devez faire beaucoup d'efforts. Ouais, des fois, on fait beaucoup d'efforts, mais faire des efforts, il y a des partenaires qui ne le font pas, c'est pas aussi bien, quoi. J'ai senti un problème de relâchement. Ouais, on peut dire ça parce que les trois buts de la première mi-temps, ça nous a fatigués, et puis on a commencé la deuxième mi-temps. On a eu plus d'occasions qu'en deuxième mi-temps, et puis ça ne donnait rien, quoi. Les occasions, on a raté un petit peu, mais voilà. On va recommencer, on va bien bosser pour. Mardi prochain, ce sera contre le Burkina Faso. Là aussi, le Burkina nous a battu, nous a toujours battu ces derniers temps. Est-ce que cette fois-ci, ça va changer? Ah, ça va changer, ça va arrêter là. Parce qu'on doit gagner ce match pour confirmer, pour être bien dans la tête, et puis. Pour avoir la confiance, et la confiance du peuple, ça serait bien, quoi. Si le peuple a du confiance en nous, et puis ça va. La CAN, c'est dans 2 mois. Donc, quel est ton objectif personnel? C'est d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Jusqu'au final, et puis prendre le final. Mais est-ce que vous avez les moyens d'aller jusqu'en finale? Ben, on le saura. Personnellement, tu fais un très bon début de saison à Chosa Bassia. Et puis, tout se passe très bien avec toi. Et tout récemment, on a dû comprendre que les scouts d'Arsenal étaient à Bastia pour te superviser. Est-ce que tu étais au courant? Pas au courant, mais j'ai des informations, mais ça m'a rien fait, et puis je continue à bosser. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact, je continue à bosser comme il faut. Mais avant, je me rappelle bien aussi, avant la fin du mercato, et tout de suite, on nous a fait savoir que tu étais en contact avec un club de première division française et que tu étais sur le point de jouer pour Nancy ou je ne sais pas quel club. Qu'est-ce qui avait empêché le transfert? C'était le rien, c'est le club corse qui n'a pas voulu que je parte. Et puis ça, ils avaient besoin de moi. Et puis, ils ne m'ont pas laissé de partir. Ils m'ont dit que je dois rester pour une saison. Après, si je vais partir, il faut partir. Tu n'avais pas droit au chapitre? Non, parce qu'ils avaient signé, ils avaient ré-signé encore. Après, ils m'ont dit c'est pas possible que je parte. Après, le coach, il voulait pas que je parte. J'ai fait tout possible pour lui dire, c'est l'expliquer, il m'a pas compris, il a dit qu'il faut que je reste. Après la France, tu privilégies l'Espagne ou bien l'Angleterre ou bien quel est le championnat dans lequel tu voudrais jouer dans la vie? Angleterre. L'Angleterre, plus précisément dans quel club? Manchester United.